Félicitations. Vous avez atteint la dernière épreuve. Il ne reste qu'un seul défi à relever. Vous êtes prêts? Où sont passés tous les autres joueurs, en fait? Concentrez-vous. Il y a $1 million en jeu. Brandon, regarde! On va faire une blague à Lucy. Viens par ici, meuf! Même dans un jeu aussi sérieux, on peut bien rigoler quand même. La poupée s'est tournée. 3, 2, 1... C'est parti! Il faut y aller! Tu commences, Lucy. Comme vous voulez, les copains. Brandon, tu vas voir. Ça va être la plus grosse loseuse de l'année. On doit plus bouger. McCary et Brandon ont oublié les règles. Oups! On a droit à un autre essai? Je crois pas, non. Et on a notre gagnante. Lucy, tu peux prendre ton prix. Et on a un joli bonus. Tu vas avoir notre meilleure garde. Cool! Ça va être encore plus sympa de dépenser de l'argent à deux. Le dernier round est toujours si touchant. La première chose à faire, après qu'on ait gagné, c'est... dépenser de l'argent! Cette virée shopping a été géniale! On va tout prendre! L'argent n'est pas un problème. Tiens bien ma tirelire, garde! Et garde la monnaie! J'aimerais qu'on ait plus de clients d'aussi généreuses que toi. Attends un peu! Désolé, gardien! Mais là, ça va pas du tout! Le rouge, c'est pas du tout ta couleur! On va te relooker! Ça, c'est un classique intemporel! Oh non! Trop sérieux! Tu penses quoi de ça? On voit tout de suite qu'il y a un héros sous ce masque. Non, trop rebelle. On va essayer autre chose. Et si on ajoutait un peu de glamour à ce look? Oh non! On dirait une vieille dame. Super! Le garde a fini par trouver le style qui lui convenait. Waouh! T'es canon! On peut y aller maintenant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos clients riches? Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Lucy ouvre son propre café. Elle est maintenant une vraie femme d'affaires. Bienvenue à tous! Oh, vous pouvez pas être plus prudent? Mais les invités sont impatients de voir ce lieu de plus près. Et en plus, il y a un concours de burgers. C'est aussi le moment de divertir nos invités. Ça te tente le jeu d'enveloppe? Je vais t'apprendre. Vraiment pas mal ce café! Il y a à manger et des jeux. Et maintenant, voici le plat spécial du chef. Bon appétit! Les fameux cookies. Voilà ce qui manquait à cette fête. Allez, on est bientôt à la fin de la partie. Et on a notre premier gagnant. Mais il y en a un à qui ce jeu ne plaît pas du tout. Elle a cassé son cookie. Oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Du calme, garde. On n'est pas dans le jeu. C'est juste un café. Détends-toi un peu. On va oublier tout ça, ok? Même si t'es riche, tu dois toujours aller à l'école. Voici mon garde. Il va étudier avec moi. Il y en a qui ont vraiment de la chance. Coucou ma belle, ça fait plaisir de te voir. Silence, le cours va commencer. Mais la biologie, c'est tellement ennuyeux. Hé, tu veux jouer à un jeu? Bah ouais, pourquoi pas. Alors, qui va gagner cette partie? Malheureusement, Jessica va devoir quitter la classe. C'est les règles. Les gars, restez avec moi. Comment ne pas s'endormir pendant le cours de bio? Cette mission est impossible. Fais quelque chose, garde. J'ai une idée. On va faire la fête. Les gars, fini la biologie. On va danser et s'éclater. Pourquoi Mademoiselle Barbara est pas contente? C'est impossible de lui faire plaisir. Elle gâche toujours nos bons moments. Mais on va résoudre ce problème. C'est pour vous. On danse? Avec plaisir. C'est vraiment simple. Le chemin vers le cœur d'une femme passe toujours par les fleurs. Les rêves deviennent réalité. Lucy a un rendez-vous avec Kevin. Ah, il est si merveilleux. À notre amour, Lucy. Cette soirée promet d'être romantique. Mais on ne pense pas à l'amour quand on a l'estomac vide. Bon appétit! Waouh! Il mange même si gracieusement. Il est parfait! Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Waouh! Quand est-ce qu'on a eu le temps de manger autant? Lucy, laisse-moi payer. Je suis un gentleman. Non, je m'en charge. Voici leur première dispute en tant que couple. On va départager ça à la loyale. On va jouer. Celui qui tire l'addition vers lui devra la payer. C'est parti. Donne-la moi, Lucy. Non, toi lâche-la, Kevin. Ce combat romantique commence à durer. Va falloir donner un coup de pouce à la patronne. Kevin, va te reposer un peu. Victoire! C'est assez pour le repas? Oh, oui. Et faut pas oublier le pourboire. On peut y aller maintenant. Un rencard avec une nana riche, ça, c'est un vrai jeu de survie.
Dans n'importe quelle situation, tu peux prendre des selfies. Souris, garde. Mais là, ça va pas du tout. On dirait qu'il y en a une qui a oublié de se faire les ongles ici. On doit aller au spa tout de suite. Nous voilà au salon de beauté. On peut commencer la manucure. Je veux des ongles hyper classe. Oh là là, ça va être du boulot. Mais tout ce que désire une cliente riche sont des ordres. Sois patiente, Lucie. Oh, waouh, c'est magnifique. Et maintenant à toi, garde. Je n'accepterai pas de non comme réponse. On n'a jamais eu de client comme ça avant au salon. Mais une pro peut tout faire. Elle va nettoyer ses armes. Viens par là, mon trésor. Et maintenant, tu peux te détendre avec un masque sur le visage. C'est sympa d'avoir un ami fidèle à ses côtés. Aller au spa, c'était une excellente idée. On peut même se faire coiffer ici. Oh, garde, t'es méconnaissable. Et tes cheveux seront encore plus beaux avec des paillettes. Merci, mademoiselle. Je suis une personne complètement différente maintenant. Il n'y a rien de tel qu'un client satisfait. Le Jenga, c'est un jeu pour les gens forts. Il faut avoir les nerfs solides. Ah, j'ai réussi! Maintenant, à ton tour, garde. C'est fait. Tu dis quoi de ça, Lucie? Oh non! Je vais perdre maintenant? Pas de panique. On va essayer ça. Maintenant, le garde pourra pas gagner, c'est sûr. Ça y est, son adversaire est nerveux. C'est ce que Lucie voulait. Mais apparemment, c'est un maître du Jenga. Concentre-toi, Lucie! Mais ça servait à rien! C'est un échec total! Lucie, tu sais ce qui va se passer maintenant? Non! S'il te plaît, fais pas ça! Allez, ma belle! Je rigole! Perdre au Jenga, c'est pas une raison d'être éliminée! Oh là là, toi et tes blagues! Ça dit une autre partie? On va passer la soirée au ciné. Vas-y. Toi, reste là. Aucun bagage n'est autorisé. Oh, il manque quelqu'un. Oui, mon garde. Jeune homme, l'argent doit être déposé dans les vestiaires. Un point, c'est tout. Maintenant, c'est bon. Mais est-ce qu'un garde fidèle laisserait une tirelire sans surveillance? Jamais. Waouh. T'as pas laissé mon argent traîner n'importe où? Donne-le-moi. Ce sera plus sûr comme ça. Et la tirelire n'est pas contre un film sympa, elle non plus. C'est presque comme une sortie en famille au ciné. Les anniversaires, ça peut rendre nostalgique parfois. Tu te rappelles quand on l'a fêté dans le jeu? C'était vraiment sympa. Oh, tout le monde me manque. Lucie est triste. Le garde doit faire quelque chose. Joyeux anniversaire, Lucie. Cette poupée restera toujours à tes côtés. Comme c'est touchant. Merci. Elle est trop chou. Et elle a un regard si expressif. Il tue, carrément. Ses plus beaux souvenirs seront exposés à un endroit visible de tous. Aujourd'hui est un jour spécial. Le garde a un rendez-vous avec Lucie. Ça veut dire qu'il faut qu'il se mette sur son 31. D'abord, une haleine fraîche. Et puis, une peau bien lisse. Lucie va être ravie. T'es canon, mec! Crois en toi et tout ira bien. Et la touche finale, de l'eau de Cologne. Et ouais, faut souffrir pour être beau. Le dress code est strict pour cet événement. On ne va pas pouvoir se passer de costume. Quel look élégant! Et un bon parfum fera du garde un gentleman. Prêt pour notre rendez-vous. Je me demande si ça va plaire à Lucie. Mais elle n'a pas le choix. Lucie va se faire escorter jusqu'au lieu de rendez-vous. Tu peux ouvrir les yeux. Waouh! C'est vraiment pour moi tout ça? Bien sûr que oui! Pourquoi Lucie n'a pas remarqué avant? Que son garde était si romantique. C'est un rencard de rêve. On se croirait dans le jeu. À vos marques, prêts, mangez! Dépêche-toi de manger cet œuf. Le temps presse. Cool, j'ai réussi. Encore. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à une fille? Bon appétit, Lucie. C'est le meilleur dîner du monde. Il y a trois choses qu'on pourrait regarder à l'infini. Le feu, l'eau et la façon dont ta bien-aimée se régale. Et maintenant, le moment de vérité. Le baiser des amoureux. Mais d'abord, on va enlever cet accessoire inutile. Oups! On va garder ça, en fait. Ce masque te va bien. Je crois qu'on a un couple ici. Vive l'amour! Pourquoi pas changer un peu de garde-robe? C'est parti pour du shopping en ligne. C'est une jolie robe, ça. Dans le panier. Je vais en prendre deux. Mais à un moment donné, faut bien payer tous ces achats. Oups, y a un petit problème. Il y en a une qui a vidé la tirelire. C'était moi? Apparemment, $1 million, ça peut être dépensé très rapidement. Mais il y a une solution. Ils ont toujours besoin de gens courageux dans le jeu. Cet uniforme a pris la poussière sur l'étagère depuis trop longtemps. Il est temps d'y retourner. Les gars, c'est à nouveau moi!
Prenez-moi dans le jeu. J'ai besoin de toute urgence d'un autre million. Oh, ça va être tellement difficile. Mais celui que j'aime me laissera jamais dans la galère. Je suis avec toi, Lucie. Ensemble, on peut tout surmonter.